Bonsoir et bienvenue à une nouvelle édition du Cabaret des mots de l'Abitibi-Témiscamingue spécial Salon du livre. Je m'appelle Samuel Larochelle, dans la vie je suis un journaliste, un écrivain, je suis originaire d'Amos et en septembre 2019, j'ai lancé le Cabaret des mots dont vous voyez présentement la 5e édition. C'est quoi le Cabaret des mots? C'est tout simplement des artistes qui viennent vous livrer des courts textes à tour de rôle pour que vous entendiez leur voix, leur personnalité, leurs émotions et leur rythme. Habituellement, on se retrouve sur scène, un peu partout dans la région, pour avoir l'occasion unique d'entendre et de voir les réactions des gens à nos mots, à nos histoires. Habituellement, j'invite des plumes uniquement originaires ou résidents en Abitibi-Témiscamingue. Mais cette fois, j'ai fait une exception. En plus d'un trio témiscabitibien composé de moi-même, Andréane Brunet et Louise Desjardins, on va avoir l'occasion d'entendre Francine Ruel et Laure Varidel durant la prochaine heure et demie. Tout au long du cabaret, on va vous livrer des nouvelles, de la poésie, des extraits de romans, même un extrait de biographie. Et tout ça, c'est possible grâce à Adama Productions qui a fait le montage et la production de ce que vous voyez présentement. Et bien sûr, grâce à l'organisation du Salon du livre de l'Abitibi-Témiscamingue. On a très hâte de vous retrouver en personne, idéalement en 2022. On va croiser les doigts. En attendant, installez-vous confortablement, versez-vous du café, du thé, une coupe de vin, un pot de crème glacée en entier, parce qu'on part. Pour lancer officiellement le cabaret, j'ai envie qu'on entende le sourire, la bonté et la sensibilité dans la voix d'Andréane Brunet. Si à la base, cette jeune femme originaire de Val-d'Or a fait carrière comme animatrice à Radio Énergie en région en Abitibi, en Outaouais et présentement à Montréal, elle a aussi publié deux romans. Le premier, au printemps 2019, qui s'intitule « Ne pas toucher, s'il vous plaît ». Et cet hiver, elle a récidivé avec son deuxième roman « Embrasser le chaos », qui est lui aussi publié chez Libre Expression. Je lui laisse le soin de vous faire un petit résumé avant de lire un extrait, mais je tiens à vous dire que malgré le sujet qui semble difficile dans son roman, Andréane, elle a un don pour nous réchauffer le cœur et pour nous faire traverser les plus grandes tempêtes avec beaucoup de douceur. Le texte que je m'apprête à vous lire est tiré de mon deuxième roman, Embrasser le chaos, qui est sorti en février dernier. Il s'agit de l'histoire de Mallory, jeune femme qui vient de perdre son grand frère dans un accident d'auto, Arnaud. Et elle décide de reproduire le voyage qu'il avait fait en Islande en solo, un road trip dans le pays de l'hiver. Et c'est sa façon à elle de se rapprocher un petit peu de son frère pour une dernière fois. Voici donc un extrait d'Embrasser le chaos. Alors que Mallory est sur le bord de la mer, la nuit, elle vient de vomir du requin fermenté qu'elle a mangé en trop grande quantité. Je me couche sur le banc, la tête dans mon capuchon et les bras croisés sur ma poitrine. J'essaie de me concentrer uniquement sur ma respiration pour apaiser les battements de mon cœur. Quand je sens que mon estomac est plus calme, j'entrouvre les paupières. Le ciel est dégagé ce soir. Quelques nuages flottent paresseusement dans l'atmosphère. Je tente de déchiffrer les étoiles, de les relier en constellations pour créer des dessins intelligibles. Je pourrais passer des heures à jouer à ce jeu. On faisait ça parfois. Tu franchissais les pas séparant nos chambres quand on était sûr que maman était endormie. On s'assoyait sur le large rebord de la fenêtre, enroulé dans la même couverture. De là, le ciel noir s'offrait à nous et on chuchotait avec excitation quand on voyait les étoiles apparaître. Tu étais le meilleur pour les repérer en premier. Et moi, je créais des images en les connectant entre elles. Ce jeu s'est poursuivi de nombreuses années, jusqu'à ce que tu deviennes indépendant et ne traverses presque plus le corridor. Au-dessus de moi, une traînée blanche s'étend doucement dans le firmament islandais. Ce n'est pas un nuage. Ça n'en a pas la texture. C'est plus translucide et je jurais que c'est encore plus doux au toucher. La tache blanche vient de l'océan et se dirige vers le continent. C'est un délicat voile de mariée qui se déploie. Après plusieurs minutes, je crois voir le tulle vaporeux se teinter d'un vert très pâle.
Je me redresse vivement sur le banc. Mon taux d'alcool chute à moins 1000 et mon sang fouette dans mes veines. Mes pupilles se dilatent alors que les connexions se font dans mon cerveau. Je comprends tout à coup ce qui se passe. Oh my God! Le spectacle qui se déroule devant moi n'est nul autre que la naissance d'une aurore boréale. Je crie de joie et grimpe sur le banc, étendant mes bras vers la Voie lactée. Ah, si je pouvais seulement la toucher du bout de ma mitaine! L'aurore est immense et mes yeux n'arrivent pas à circonscrire tout le phénomène féerique qui se dévoile au-dessus de ma tête. Je voudrais hurler pour que le monde entier se réveille et profite de ce tableau unique, mais j'ai le souffle coupé devant tant de beauté. Je ne sais pas combien de temps je reste ainsi, mains dans les airs, sourire extatique au visage. Le vert de l'aurore se fonce. Il varie du jade aux bouteilles, du gazon à l'épinard, du lime à l'absinthe. Alors que je me dis que je ne m'en remettrai jamais, la bordure inférieure de la guirlande que forme l'aurore se teinte d'un mauve profond. Une décharge électrique naît dans mes lombaires et grimpe jusqu'à mes cervicales. Ma colonne vertébrale est foudroyée en même temps qu'une larme perle au coin de mon œil droit. C'est trop beau, Arnaud. Trop beau pour une seule personne. L'aurore valse au-dessus de ma tête. Elle offre des pas de danse beaucoup plus gracieux que les miens, tantôt, au bar. Elle est sensuelle, libre, décomplexée. Elle se déhanche, vrille, ondule et explose dans une palette de couleurs d'un autre monde. Elle se donne en spectacle seulement pour moi. Je saisis mieux pourquoi tu n'aimais pas rester à l'intérieur, Arnaud. Pourquoi tu avais toujours besoin d'être dehors. La vie se déroule là où le vent peut circuler librement. Je le comprends ce soir. Quand on était petit, tu passais le plus clair de ton temps dans la cour, au parc ou à vélo. Tu n'habitais pas ta chambre comme moi je le faisais. Tu rentrais à la maison pour manger et dormir, alors que je pouvais passer des heures à lire dans mon lit ou encore à m'inventer des histoires desquelles mes peluches étaient les héros. Maman disait que j'étais une souris, qu'elle ne m'entendait pas quand je jouais dans ma chambre. Je disparaissais de son écran radar. Une fois, elle m'avait embarrée à l'intérieur de la maison. Je m'étais construit une petite cabane avec les oreillers sur mon lit et je lisais emmaillotée dans mes couvertures. La demeure était silencieuse. Maman avait probablement cru que j'étais au parc avec des amis et elle était partie faire des commissions en verrouillant la porte. Disons que j'avais fait le saut quand j'avais émergé de mon tipi d'oreiller pour aller me chercher un Mr. Freeze dans le congélateur. Une heure plus tard, c'était au tour de notre mère d'être surprise de me trouver dans la cuisine à son retour de l'épicerie, des enveloppes de popsicles éparpillées sur la table. Toi, ça ne te serait jamais arrivé. Dès que tu avais fini tes tâches domestiques et après t'être assurée que maman n'avait besoin de rien, tu courais vers la porte. Tu m'as déjà dit, à l'époque, que tu manquais d'air, que tu voulais faire éclater les murs de la maison en morceaux. Je n'avais pas compris à ce moment-là. Je voulais te retenir, t'empêcher de disparaître de mon champ de vision. Si j'avais pu, je t'aurais attaché au divan du salon. Mais tu avais la bougeotte. Tu es entré à l'université en même temps que tu emménageais dans ton premier appartement. Après ton départ, tu venais souper à la maison avec maman et moi, mais tu déclinais souvent l'invitation à rester après le repas pour jouer au Monopoly. Tu avais déjà tes chaussures aux pieds quand on finissait d'essuyer la dernière assiette à dessert. J'ai un peu l'impression que tu nous fuyais parfois. Pourtant, tu m'accueillais toujours à bras ouverts quand je venais te visiter dans ton appartement de jeune adulte. Qu'est-ce qu'il y avait ou n'y avait pas à la maison familiale pour que tu veuilles y abréger ton temps? Est-ce qu'on t'étouffait, Arnaud? À cette pensée, mon souffle se bloque dans ma gorge. Je déglutis difficilement et porte ma mitaine à la hauteur de mon cœur. Mes jambes fléchissent et mes fesses se posent sur le banc de bois. Un mince filet d'air pénètre dans mes narines. Étrangement, je ne panique pas. Mon corps est familier avec les restrictions. Te perdre a provoqué chez moi un rationnement, voire une privation d'espace, d'air et d'énergie. Malgré cela, je décide de forcer ma respiration pour avaler un maximum d'oxygène et faire gonfler ma cage thoracique. Je veux engloutir l'univers entier, quitte à faire exploser des alvéoles pulmonaires au passage.
Je pourrais jurer que mon œsophage se dilate, que mes poumons grandissent jusqu'à se coller à mes côtes. Mes omoplates s'éloignent l'une de l'autre pour laisser place à mon souffle qui circule sur toute la longueur de mon épine dorsale. Le filet d'air s'est transformé en fleuve d'oxygène qui se déverse de mon nez à mon bassin jusque dans la plante de mes pieds. Je suis un ballon d'éther qui risque d'exploser. Et ça fait un bien fou. Je ne sais pas si on peut s'auto-étouffer, mais j'ai cette singulière impression que c'est le traitement que je me suis offert depuis ton décès, ton déménagement, non, puis le départ de notre père. Je me suis étouffée moi-même pour laisser toute la place à la douleur de maman. Je me suis roulée en boule pour éviter d'être dans le chemin de sa profonde tristesse et de sa colère éclair. J'ai tant voulu lui offrir la tranquillité dont elle me semblait avoir besoin que je me suis effacée peu à peu jusqu'à devenir un meuble qu'on déplace uniquement pour passer la balayeuse. Arnaud, ta mort est venue accentuer la pression sur ma gorge. Maman souffrait à nouveau et j'ai dû me faire la plus petite possible pour laisser l'espace se remplir de mon désespoir. J'ai tenté de lui offrir une béquille solide sur laquelle s'appuyer. J'ai essayé de jouer le rôle que tu avais endossé à la séparation de nos parents. Mais je n'ai pas ta constitution. Je suis une béquille brisée dont les éclisses tombent de plus en plus souvent et en plus grand nombre autour de mes pieds. Comment insuffler de la vie à quelqu'un alors que j'étais mon souffle depuis aussi longtemps? Tu avais trouvé la meilleure façon de respirer. Tu nous avais quittés pour aller chercher de l'oxygène. Tu es parti te ressourcer ailleurs. Or, même en t'éloignant de la maison familiale, tu n'arrivais pas totalement à te débarrasser du poids du costume que tu avais choisi de porter, à contre-cœur peut-être, depuis tant d'années. Le passé s'accroche dangereusement à notre épiderme, même quand on prend l'avion pour le fuir. J'espère malgré tout que changer de continent t'aura donné un répit de nous. L'aurore semble se cambrer pour mieux s'étendre. La traînée de couleurs forme un ruban incandescent qui file jusqu'à l'horizon. Si je pouvais, je le saisirais pour m'en faire des boucles dans les cheveux et garder toujours en moi le grandiose de ce moment. Une œuvre magistrale pour moi toute seule. Un pan de ciel magique qui me fait prendre conscience que se cloisonner à la maison, c'est s'empêcher de voir la beauté que le monde a à offrir. Et d'après ce que je vois en ce moment, le monde est tellement plus vaste et plus somptueux que ma chambre et notre pâté de maison. Combien de ciels comme celui-là ai-je manqué? Combien de ciels comme celui-là vas-tu manquer désormais? Dans ton carnet, tu as écrit ta tristesse de ne pas avoir réussi à voir des aurores au cours de ton séjour. Il y avait trop de nuages et les conditions favorables n'étaient pas au rendez-vous. Il n'est pas donné à tous de regarder le ciel au bon moment. Je souhaite que tu les vois ce soir, d'où tu es. Peut-être même qu'au paradis, ou peu importe comment on appelle l'endroit où tu te trouves, on t'a mis en charge de les créer. Et que c'est toi qui s'occupes de ce chantier. Ton casque jaune sur la tête et ta ceinture d'outils autour de ta taille. En mai 2019, j'ai eu l'honneur d'être le président du Salon du livre de l'Abitibi-Témiscamingue et je peux vous dire que ce moment-là a ouvert une porte dans mon cœur. Pendant très longtemps, j'ai eu l'impression que mes différences ne seraient jamais les bienvenues dans ma région natale, mais 15 ans plus tard, 15 ans après l'avoir quitté, j'ai senti que c'était justement ma personnalité et mes couleurs qu'on accueillait et qu'on embrassait. À ce moment-là, j'ai eu envie de multiplier les projets en lien avec la région. J'ai commencé par produire et animer 4 éditions du Cabaret des mots. J'ai écrit une nouvelle qui se déroule à Amos dans le recueil « Les nouveaux mystères à l'école » qui a été publié à l'automne 2020 aux éditions Druide. Et comme vous le savez peut-être, j'ai convaincu le grand homme qui est François Gendron d'écrire ses mémoires avec moi, un livre qui est arrivé en librairie au tout début mai, il y a quelques semaines. Et j'ai envie de commencer en vous lisant un extrait que j'affectionne tout particulièrement. C'est son avant-propos qui est intitulé « La soirée qui a changé ma vie ». Alors pour ceux qui n'ont pas encore vu le livre, le voici. Le 15 novembre 1976, ma vie a basculé.
Après l'annonce de ma toute première élection comme député d'Abitibi-Ouest, j'ai senti une fébrilité difficile à exprimer en mots. Les citoyens et les citoyennes du comté étaient en liesse. Ils et elles n'étaient pas seulement fiers de ma victoire, mais aussi galvanisés par l'élan historique que venait de prendre le Parti québécois sur le plan national. Avant de vous décrire la soirée électorale dans le détail, laissez-moi vous raconter les heures qui l'ont précédée. Ce jour-là, je me suis réveillé excité, un peu anxieux et impatient de connaître le résultat de ma première campagne électorale qui m'avait complètement lessivé. Une course que j'avais commencée en ayant la conviction de perdre et que je terminais avec la quasi-certitude de gagner. C'est un revirement de situation inattendu dont j'expliquerai les causes plus loin. Revenons à la matinée du grand jour. Les bureaux de scrutin ouvraient à 10 heures. J'ai attendu une demi-heure avant d'en visiter quelques-uns et de voter dans le mien. Lorsque je me suis retrouvé dans l'isoloir, j'ai vu mon nom sur le petit papier. Intérieurement, je me suis dit « ce qui se passe aujourd'hui pourrait avoir des conséquences importantes ». Puis, j'ai lu les noms des autres candidats. Il faut savoir qu'avec moi, il y a des adversaires et non des ennemis. J'avais de la considération et du respect pour chacun d'entre eux. Au moment de cocher à côté de mon nom, j'ai senti des papillons tournoyer pas mal fort dans mon ventre. Lors de ma première campagne électorale, comme pour toutes celles qui ont suivi, ma tournée des bureaux de vote s'est terminée à Amos, la municipalité la plus populeuse d'Abitibi-Ouest. En début de soirée, je suis allé rejoindre ma femme, Madeleine Gagnon, et quelques proches dans une chambre réservée au motel chez Tony pour attendre les résultats. Toutes les 10 ou 15 minutes, le téléphone sonnait. Des membres de mon équipe nous tenaient au courant des résultats dans leur bureau de vote. Ils me disaient tous que ça regardait bien. Plus le temps passait, plus je me disais que j'allais l'emporter. De mémoire, c'est à la radio que j'ai entendu pour la première fois, en Abitibi-Ouest, François Gendron du Parti québécois vient d'être élu. C'était une première pour le parti dans ma circonscription, alors que le PQ vivait une situation sans précédent à l'échelle nationale avec 71 sièges et un gouvernement majoritaire. Cette élection m'apparaissait comme un geste de confiance des électeurs plutôt que comme une manifestation d'amour à mon égard. Dans le temps, j'étais pas encore très connu en région. Et n'oublions pas que j'étais engagé dans une bataille à trois avec le député sortant, le libéral Jean-Hugues Boutin, et le candidat du ralliement créditiste, Roger Bureau. Cette situation m'a assurément permis de me faufiler entre eux, mais avec peu d'écart dans le nombre de votes. J'ai gagné avec 36,5% des voix, soit 1224 votes d'avance sur M. Bureau, ma plus faible majorité en 11 élections. Je me sentais, bien sûr, extrêmement fier, mais surtout porté par la vague nationale du PQ et par la victoire de notre chef, René Lévesque, qui avait enfin réussi à convaincre les gens de se faire confiance et d'arrêter d'avoir peur de nous. Je pensais aussi que j'avais la chance de faire partie d'une extraordinaire équipe composée d'hommes et de femmes volontaires, pleins de vision et prêts à accomplir des gestes concrets pour faire avancer la société québécoise. Dès que l'annonce de mon élection a été faite, j'ai commencé à recevoir des appels dans ma chambre d'hôtel, dont celui d'une maman bien fière qui avait déménagé à Québec en 1967 avec mes plus jeunes frères et sœurs, et de ma tante Isabelle, qui a exercé une grande influence sur mon parcours étudiant, comme vous allez le constater plus loin. Les échanges ont été très courts parce qu'on m'attendait au local de mon comité électoral. Quand je suis arrivé, l'endroit était bondé de militants et d'amis. Il y avait des centaines de personnes, autant en dehors qu'en dedans. Je serrais des mains, je donnais des accolades et les gens chantaient. Tout le monde était électrisé par la victoire du Parti québécois. Ça n'avait pas de bon sens, la fièvre que je sentais autour de moi. J'avais l'intérieur qui me chatouillait. Comme de raison, j'ai pris le temps de remercier sincèrement les militants et de célébrer aussi longtemps que possible avec eux, mais j'étais également attendu à la salle pour une autre fête déjà en cours. Sachant que j'avais un trajet d'une heure à faire, un 15 novembre, avec des routes qui pouvaient être enneigées, je devais partir si je ne voulais pas arriver à la fin du party. À l'hôtel Chabot, à la Sarre, l'ambiance était encore plus folle qu'à Amos. Mon comité électoral avait loué le deuxième étage en entier. Il y avait tellement de monde que certaines personnes avaient peur que le plancher s'effondre. Les propriétaires étaient rongés d'inquiétude au rez-de-chaussée, en sentant et en entendant les vibrations alarmantes au deuxième.
Ils ont même pensé appeler la police, mais l'escalier menant au deuxième était complètement jammé. C'était presque impossible de me rejoindre. Des centaines de personnes festoyaient autour de moi. Les étreintes n'en finissaient plus. Vers 4 heures du matin, mes plus proches collaborateurs politiques célébraient encore à mes côtés alors que ma femme était rentrée à la maison. Depuis l'annonce de ma victoire, elle vivait un déchirement intérieur légitime. Elle appréhendait l'isolement qui l'attendait lorsque je serais à Québec et durant mes engagements dans le comté, sans oublier le défi de conjuguer sa tâche d'enseignante à temps plein et l'éducation de nos 3 enfants. Puisqu'elle enseignait le lendemain, c'était tout à fait normal qu'elle fête moins longtemps ce soir-là. Quant à moi, je suis allé chez un ami pour rejoindre un groupe de collègues de la Polyneo de Lassar, où j'enseignais depuis 10 ans. Je leur avais promis de passer prendre un verre de cognac avec eux. Je suis allé là-bas peu après 5 heures du matin. Par la suite, alors que je me dirigeais vers ma demeure, j'ai vu plusieurs voitures stationnées et des lumières allumées chez mon voisin d'en arrière, Henri Salambier, que je connais bien. Immédiatement, j'ai imaginé qu'il s'était produit un malheur, alors je suis allé cogner à sa porte pour m'enquérir de la situation. Vous auriez dû voir sa fraise quand il m'a aperçu dans le cadre de porte. Son visage exprimait une profonde inquiétude, non pas parce que quelque chose de grave était survenu, mais parce que le député sortant que je venais de battre était chez lui. Je le savais que M. Salambier était un organisateur libéral, sauf que je n'avais jamais pensé que Jean-Hugues Boutin, le candidat libéral défait, serait chez lui. Quand j'ai compris ce qui se passait, je me suis excusé et je lui ai juré sur mon âme, ma conscience et mes 3 enfants qu'il n'avait jamais été question d'aller narguer mon adversaire. Bref, je suis reparti aussi vite que j'étais arrivé. Une fois dehors, j'ai vu le soleil qui montait à l'horizon. Le temps était frisquet, mais la fraîcheur m'aida à retomber sur mes pattes après une nuit à fêter pas mal fort. Avant de rentrer me coucher, j'ai pris un moment pour apprécier la beauté de la journée qui se levait et la nouvelle direction que mon existence prenait. Je sais pas si c'était un présage de ma future carrière journalistique, mais quand j'étais enfant, je regardais la télésérie Scoop avec beaucoup, beaucoup d'intérêt. C'est dans cette émission-là que j'ai vu, pour la première fois, Francine Ruel alors qu'elle jouait la légendaire Léone Vigneault. Je l'ai ensuite suivie dans Diva, dans Freddy, Destiné, dans les films Aurore, Monsieur Lazare et plus récemment dans la série L'Imposteur. Durant les étés de mon adolescence, je l'ai aussi vue s'extasier en parlant des différents péchés à Radio-Canada alors qu'elle était à la barre de L'été, c'est péché. Puis, j'ai découvert sa plume d'écrivaine qui nous a déjà offert une 12aine de romans, dont un qui a un titre particulièrement savoureux. Le voici. Voici un extrait de « Ma mère est un flamant rose », un récit que j'ai écrit sur cette femme formidable qui m'a fait un cadeau exceptionnel dans ma vie. Et voilà, c'est ce qui m'a permis, je crois, d'être l'auteur que je suis aujourd'hui. Faute d'avoir eu un père présent dans ma vie, je n'ai jamais pu narguer mes amis avec le fameux « mon père est plus fort que le tien ». Je me suis reprise en leur jetant à la figure « ma mère est plus folle que la vôtre ». La différence. Franchon était rentré de l'école la mine triste et abattue. Mado avait su bien vite que quelque chose n'allait pas. Sans la brusquer, elle l'avait amenée à se confier. Ainsi avait-elle appris, à travers les larmes de sa fille, le terrible sort qui était le sien. La religieuse qui enseignait le français au collège Mérissy avait demandé à ses élèves de décrire dans le menu détail leur jardin. Franchon et ses sœurs habitaient un logement dans la côte Belvédère, contrairement à leurs camarades de classe qui, pour la plupart, demeuraient dans les quartiers cossus de Sillery et dans de belles maisons de chaque côté de la Grande Allée ou encore au Parc des Braves. Là où logeaient Mado et ses filles, il n'y avait pas de beaux jardins, ni de pelouses tondues avec soin, pas de bosquets fournis, ni de clôtures en fer forgé qui protégeaient de tout, pas de piscine ni de rocailles débordantes de fleurs odorantes. Comme sa mère ne semblait pas comprendre son désarroi, Franchon avait insisté. « La sœur a exigé qu'on parle de notre jardin. C'est une description qu'elle veut, pas une fiction. Décrivez votre jardin !»
répétait l'adolescente avec rage tout en roulant les R pour imiter la religieuse. Mado avait attendu que le chagrin et la colère de Franchon s'apaisent avant d'intervenir à nouveau. Elle sentait bien que sa fille lui en voulait de lui faire fréquenter les bons collèges où étudiaient les enfants de riches sans habiter elle-même dans un beau quartier. Une fois l'émotion passée, elle avait ordonné à sa fille de s'asseoir dehors et de décrire le plus simplement du monde ce qu'elle voyait et ressentait. Comme sa mère affichait un regard insistant, Franchon savait qu'il était inutile de protester et qu'il valait mieux s'exécuter, même si cette dernière l'envoyait en quelque sorte à la potence. La religieuse ne manquerait pas de la ridiculiser devant la classe, et elle serait victime des railleries de ses camarades. Sa rédaction lui avait pris une bonne partie de la journée. Elle avait finalement consenti à décrire ce qu'elle voyait. Les hangars en bois, les cordes à linge où pendaient les dessous des voisins, les mères qui criaient après leur marmaille pour qu'elles viennent souper, les enfants qui jouaient en se chamaillant, sans oublier les rêves et les secrets, les baisers volés en cachette et ainsi que les premières cigarettes. Un petit monde grouillant de vie et d'espoir. Le lundi matin, Franchon avait remis sa copie « La mort dans l'âme ». Lorsqu'elle leur avait rendu les devoirs corrigés, la religieuse avait déclaré qu'elle n'en lirait qu'un à la classe, un seul, différent de tous les autres. Franchon avait su que c'était le sien et que le moment où elle serait humiliée publiquement était arrivé. À son grand étonnement, l'enseignante avait qualifié le texte de très réussi, puisqu'il possédait, selon elle, une qualité rare. La tendresse. Bien avant que des jeunes plumes régionales comme François Lévesque, Marie-Milie Dessureau, Antoine Charbonneau-Demers, Julie Renaud, Frédéric Fournier, Alexandre Castonguet, Gabriel Izaguirre-Falardeau, Andriane Brunet, moi-même et tant d'autres prennent leur place sur la scène littéraire nationale, il y a plusieurs artistes qui ont pavé la voie. Parmi eux, on retrouve Jocelyne Saussier, Richard Desjardins, Raoul Duguay, Claire Bergeron, Virginia Pessemapeo-Bordelot et bien sûr Louise Desjardins. À ce jour, Louise a à son actif une douzaine de recueils de poésie, 8 romans, une biographie écrite sur la grande Pauline Julien et elle a été finaliste au prestigieux prix littéraire du gouverneur général en 1995. Pour sa première intervention au cabaret ce soir, elle a décidé de vous inviter dans sa poésie. La route 117 n'en finit plus. Et assise au fond du pick-up, je traverse la lune dans une ville de rien. Tequila et citron vert, tu iras loin, disait maman. Je ne vais nulle part. Quarter moon in a 10 cents town. Emmylou Harris me glisse des mains. J'ai 30 ans. Je suis trop vieille. L'amour fait mal déjà. Tu m'égratignes les os avec ton pic de guitare. Au bord du lac Osisco, de l'Algonquin ramusqué, comme un cratère au centre de ma vie, j'ai 6 ans. Je me baigne dans cette eau. Souvenir à jamais figé parmi les poissons, les frigos rouillés, la slag et les pare-chocs de Mercury. J'ai des boutons partout. C'est l'eau, dit ma mère. Il y a ce ciel si vert et cette rue si large qui ne mène nulle part. Une mer entière m'attend. Pâté chinois, plat principal et querelle au dessert. Je n'avais qu'elle sur la terre, chante Willy Lamotte à la radio. Le soir se meurt, long comme la pluie, et glisse sous mon lit. Ma petite maman chérie joue une sonate à la lune, très froide et très blanche. Messe quotidienne. À l'heure du souper,
Jimmy James and his candy canes ont remplacé le chapelet du cardinal Léger. « Écoutez ça, » dit mon père. À la télé sans couleur, des poules entourent le chanteur sur la paille grise. « In the middle of a dream, Marjolaine, I kissed your lips. » Roucoule Jimmy James. Maman ne l'aime pas. Ne le dit pas. Elle plonge dans la vaisselle, ses mains toutes blanches, consacrées à Mozart et à Chopin. Ah oui, rien, hein? Puis ça me fait rien, hein? Pour accompagner le trio Témiscamingue dans le cabaret que vous êtes en train de regarder, on a invité non seulement Francine Ruelle, mais également Laure Varidel. Laure est une boule d'énergie, de détermination et de conviction qui travaille depuis des lunes pour nous sensibiliser à la protection de l'environnement et de la biodiversité. Ancienne présidente d'Équiterre, pionnière du commerce équitable et de la consommation responsable, elle porte son message contre vents et marées, avec de plus en plus d'oreilles attentives à la nécessité de prendre soin de la planète et de prendre soin de nous. Dans le cadre du cabaret, elle nous lit trois extraits d'un livre qui va en faire réfléchir plus d'un. Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir pour moi de vous lire trois petits extraits de la conclusion de mon livre « La transition, c'est maintenant ». La force des liens. Si j'avais à choisir un verbe pour incarner la transition, ce serait « aimer ». Parce qu'aimer est un gisement inépuisable de volonté. Parce qu'aimer donne la force de passer par-dessus les obstacles. Parce qu'aimer relie. Parce qu'aimer rend créatif. Parce qu'aimer est une énergie éternellement renouvelable et la plus puissante qu'il soit. Parce qu'aimer est universel. Parce qu'aimer fait coopérer. Parce qu'aimer donne espoir. Parce qu'aimer abat la peur. Parce qu'aimer nous rend responsables les uns des autres. Parce qu'aimer fait naître la bienveillance. Parce qu'aimer sait transformer. C'est l'amour, davantage que l'information, qui nous fait passer à l'action. Les rapports scientifiques sur l'urgence climatique, la sixième crise d'extinction des espèces, la pollution chimique et l'augmentation des inégalités sociales et économiques auront beau se multiplier, sans élan du cœur, le geste suit rarement la parole. Ou alors, superficiellement. Nous avons incontestablement besoin de la science pour comprendre le monde qui nous entoure et prendre les bonnes décisions, mais l'amour est tout aussi important pour générer la volonté de se transformer. « We need a tough mind and a tender heart », écrivait Martin Luther King pour décrire l'attitude nécessaire, selon lui, pour gagner la lutte pour les droits civiques. Nous avons besoin d'un esprit rigoureux et d'un cœur tendre. Comme lui, je suis convaincue que la rigueur intellectuelle et la bienveillance sont indissociablement nécessaires pour transformer positivement la société. Il nous faut être à la fois lucide et solidaire, car il s'agit de deux forces complémentaires, pas contradictoires. Le temps est venu de passer toutes nos décisions au crible de leurs conséquences sur l'environnement et sur la société, de manière à revoir nos priorités avec cœur et avec rigueur. L'éducation, le développement des connaissances, l'éco-citoyenneté et la culture sont de puissantes armes de construction massive. Elles permettent l'épanouissement des individus autant que des sociétés. Elles nous protègent contre les raccourcis intellectuels et les informations mensongères qui polluent nos esprits, nourrissant le cynisme autant que les préjugés. C'est ce que font les fake news, répandant la haine et la peur qui brisent les liens de confiance entre nous et à l'égard de nos institutions, pourtant essentielles à la protection du bien commun. Développer un esprit rigoureux est nécessaire pour protéger les individus et les sociétés contre la manipulation de dirigeants malveillants qui, à coup de messages ingénieux répétés inlassablement, parviennent à nous faire croire que ce qui est mauvais est bon et que ce qui est bon est mauvais. Ce faisant, on en est même venu à légitimer un système qui permet que des contributions négatives à l'environnement et à la société se traduisent en profits ostentatoires pour une minorité grâce à l'externalisation des coûts.
et on résiste à des politiques publiques qui permettraient de transformer cette situation, comme l'application du principe de pollueur-payeur et l'abolition des paradis fiscaux, par exemple. Cette confusion entre le positif et le négatif, le vrai et le faux, s'incarne dans la montée d'un populisme anti-protection de l'environnement et des droits humains dont Donald Trump aux États-Unis et Jair Bolsonaro au Brésil sont peut-être les plus dangereuses figures de proue. Sans les outils intellectuels pour comprendre le monde et la place qu'on y occupe, même des gens de cœur peuvent être manipulés, notamment par la peur du changement, même lorsqu'il en va de leurs propres intérêts. Bien que le Québec et le Canada ne soient pas à l'abri de la manipulation, la population y est généralement mieux outillée intellectuellement que chez nos voisins du Sud. Plus de 54 % des personnes de 25 à 64 ans étaient titulaires d'un diplôme d'études collégiales ou universitaires lors du dernier recensement de 2016. Cela nous place au premier rang des pays de l'OCDE en termes de scolarité. On constate aussi que les jeunes femmes, les mères de familles monoparentales, les Premières Nations, les Métis et les Inuits, de même que les réfugiés et les immigrants, ont tous réalisé des progrès depuis quelques années en ce qui concerne les études postsecondaires, et ce, à tous les niveaux. Au total, plus de 86 % des Canadiens et Canadiennes de 25 ans à 64 ans détiennent au moins un diplôme d'études secondaires ou une attestation d'équivalence. S'il y a toujours place à l'amélioration quand on va dans le détail des chiffres, on peut tout de même se réjouir d'avoir fait de l'éducation une priorité collective. Celle-ci est la clé pour réussir une transition juste. Nous avons aussi la chance d'avoir d'excellentes universités, des centres, chaires et instituts de recherche où des cerveaux brillants travaillent à l'émergence et à la diffusion de solutions environnementales dans une grande diversité de disciplines, tant techniques qu'humaines. Génie, sciences sociales, sciences pures et naturelles, santé et arts, etc. Pour avoir été directrice du Centre de recherche interdisciplinaire en opérationnalisation du développement durable, le CIROD, je peux témoigner de la richesse de l'expertise scientifique dont nous disposons. Les connaissances tardent malheureusement à se répandre plus largement dans la société, où elles pourraient amener de grands changements. Davantage de ressources et d'énergie devraient être accordées à la vulgarisation scientifique afin de mieux faire connaître et adopter les nombreux outils de transition qui sont déjà à notre portée et dont quelques-uns ont été présentés dans ces pages. C'est dire que nous avons de quoi nourrir collectivement l'esprit rigoureux nécessaire aux grands changements qui nous engageront collectivement dans la transition. Quant au cœur, il bat au Québec à travers une société civile engagée, un secteur de l'économie sociale florissant, ainsi que des politiques publiques et une fiscalité qui redistribue une partie de la richesse, contribuant à freiner l'augmentation des inégalités beaucoup plus efficacement qu'aux États-Unis. Si le Québec était un pays, il se placerait au 10e rang des nations les plus équitables, selon le coefficient de Gini utilisé pour mesurer les inégalités économiques. Le Canada se classe quant à lui au 19e rang. Il est cependant nécessaire de faire encore beaucoup mieux en termes d'équité et de justice sociale, particulièrement à l'égard des Autochtones et des personnes les plus vulnérables de la société. Nous en avons les moyens et le devoir. Comme nous l'avons vu, les sociétés les plus équitables sont aussi celles où la population tend à être la plus en santé et la plus heureuse. Quant à l'immigration, proportionnellement à la taille de sa population, le Canada est un des pays qui intègre le plus de gens venus d'ailleurs, notamment de réfugiés. Nous sommes riches de cette diversité et de cette ouverture sur le monde. Nous n'avons aucun intérêt à nous replier sur nous-mêmes. Disposant de tant de rigueur et de cœur, comment se fait-il que nous ne soyons pas déjà les champions de la transition? Parce que visiblement, nous n'en avons pas encore fait un projet de société, ni même une priorité. Comme j'ai tenté de le démontrer dans ces pages, tous les ingrédients sont pourtant à notre portée. Nous sommes nombreuses et nombreux à être déjà à l'œuvre au Québec et partout sur la planète. Comme le disait Daniel Tiguel lors d'un forum sur l'économie sociale, il est facile d'entendre un arbre qui tombe, mais on n'entend pas toute une forêt qui pousse. La société civile est déjà en mode solution sur tout le territoire. La forêt pousse silencieusement. Ce qu'il manque, c'est de la volonté politique. Cette volonté n'a pas toujours fait défaut. Lorsque l'on veut faire des changements rapides au Québec, on y parvient.
Nous n'avons qu'à penser à la Révolution tranquille. De 1960 à 1966, le gouvernement de Jean Lesage a mis en place une série de réformes institutionnelles qui ont enclenché une dynamique de transformation rapide dont les effets se font encore sentir aujourd'hui. Si en quelques années, le Québec a eu le courage et la capacité de se transformer autant avec une population qui était beaucoup moins éduquée en moyens que nous le sommes présentement, je me dis qu'une fois qu'on se sera décidé, on pourra aller très loin et très vite dans la transition. Avec les connaissances scientifiques dont nous disposons, le statu quo n'est tout simplement pas une option. Il nous manque l'audace, l'ambition et surtout la vision de ce qui doit être notre prochaine grande révolution tranquille. Mais la rigueur et le cœur, nous l'avons. Cette année, Louise Desjardins a fait les manchettes en publiant un tout nouveau roman qui a été très bien accueilli par les critiques et par le public, La fille de la famille. On y suit l'histoire de la seule fille d'une famille avec quatre garçons à une époque où le fait de naître femme était un obstacle qui pouvait transformer tout le reste de notre existence. Lunettes. C'est vers la fin de ma septième année. J'ai 12 ans. Mon enseignant est un monsieur drôle et gentil. Même s'il est parfois sévère, il n'entre jamais, comme mon père, dans une colère noire. C'est rare, un homme qui enseigne à des filles. Je l'aime bien, et comme je suis une bonne élève, je pense qu'il m'aime bien aussi. Il y a un problème. Je dois m'asseoir dans la première rangée de la classe parce que je ne vois presque rien, et très souvent, je me lève pour lire les petits chiffres au tableau. L'enseignant me dit de rester à ma place, mais c'est plus fort que moi, je veux tout voir. Un jour, il en a assez. Dis à ta mère qu'elle t'achète des lunettes. Je sors de la classe en pleurant et mon enseignant vient me rejoindre aussitôt. Je lui dis ce qu'il sait déjà. Je ne vois presque rien au tableau. C'est pas grave, pleure pas. Tes parents vont te faire examiner les yeux. Arrête de pleurer. Je sanglote toujours. Tu vas mieux voir avec des lunettes. Arrête de faire toute une histoire avec ça. Reviens dans la classe. Au bout de quelques minutes, je retourne à mon pupitre en reniflant. Après l'école, la première chose que je fais, c'est de raconter à ma mère ce qui s'est passé. Elle ne bronche pas, me fixe avec ses yeux de lynx dont elle est très fière. Elle ignore ce que c'est que de ne rien voir. C'est de valeur. Vous êtes tous myopes. Vous avez hérité ça de votre père. Mais pour toi, ma petite fille, c'est pas vraiment nécessaire que tu aies des lunettes. Tu vas t'habituer. J'ai même lu que c'est mieux de faire des exercices avec les yeux. Si tu portais des lunettes, tes yeux viendraient paresseux. J'aurais tort que mes frères ont pourtant des lunettes depuis longtemps. Sois pas si négative, me dit-elle. Et elle enchaîne en m'expliquant que les gars, c'est pas pareil. Ils ont l'air plus sérieux avec des lunettes. Les filles, c'est mieux pas de lunettes. Tu sauras plus tard, c'est moins pratique pour les filles. C'est vraiment pas joli avec des bijoux, avec des boucles d'oreilles surtout. Ça fait trop. La discussion se poursuit. Je lui assure que j'aimerais mieux voir au tableau que de porter des boucles d'oreilles, que c'est dangereux de ne pas bien voir, que je pourrais me blesser. Je vais en parler avec ton père. Mon père, qui a des lunettes épaisses depuis toujours, de même que ma mère et la plupart de ses 9 frères et sœurs, n'est pas très difficile à convaincre. Ma mère prend donc un rendez-vous chez l'oculiste. Quelques semaines plus tard, je reçois mes belles lunettes de plastique en forme d'ailes de papillon. Pauvre petite, tu vas être obligée de porter des lunettes le reste de tes jours, me dit ma mère. Moi, je suis euphorique. C'est un vrai miracle. Je fais enfin partie de l'univers. Je pars sur ma bicyclette me promener partout dans la ville, juste pour voir. Et quand j'entre dans la classe le lendemain matin, je vais me placer tout à fait en arrière pour contempler de loin les chiffres et les lettres au tableau. Je n'en reviens pas. Je vois tout. Mais la phrase de ma mère continue de me trotter dans la tête.
Pendant longtemps, je traîne cette tristesse d'être une fille à lunettes. Je les enlève pour plaire à ma mère quand je mets des boucles d'oreilles. Nom. N-O-M. Je porte le nom de naissance de mon mari. C'est la loi de Dieu et des hommes. Ce nom m'a été attribué parce que je suis femme de. Déjà que mon nom était celui de mon père, fille de. Le père d'Aimé est plus connu que mon père et ça m'agace quand on me demande si je suis la fille du peintre célèbre. Même Aimé signe ses tableaux d'un pseudonyme pour éviter qu'on le compare à son père. Au début des années 1980, une nouvelle loi entre en vigueur. Les femmes mariées peuvent désormais porter le nom reçu à la naissance. Alors j'en profite pour retrouver mon nom de fille sur mes cartes de crédit, sur les registres officiels, assurance maladie, assurance sociale et compte de banque. Il me reste la caisse populaire. Je veux mettre mon compte à mon nom. À mon nom de fille, dis-je péremptoirement au caissier. Ça se fait pas de même, ma petite dame. Mais attendez, je vais demander au gérant. Les employés ont des ronds de cuir au coude de leur veston brun et gris, assortis à la couleur des murs et des boiseries. Ils ont le teint ténébreux, le cheveu gras, la mine grasse, basse. Ce printemps, en plus de publier les mémoires de François Gendron et d'organiser ce beau cabaret, j'ai publié deux autres livres. Pour la toute première fois, au lieu d'écrire de la fiction et de tout inventer, j'ai décidé de me baser à 99,9% sur ma vie. Dans le livre « J'ai échappé mon cœur dans ta bouche », j'écris sur la recherche amoureuse, le couple, le sexe, le consentement et le rapport au corps, dans une série de courts textes qui sont soit très drôles, très vulnérables ou un peu insolents. Pour l'instant, pour cet extrait, j'ai eu envie de vous faire rigoler en vous lisant la fin des sourires numéro 2. T'offrir un traitement d'orthodontie dans la trentaine, c'est te demander s'il n'aurait pas été préférable de vivre cette épreuve à l'adolescence. C'est douter de ta capacité à supporter autant de laideur à un si jeune âge. C'est penser un bref instant que ta confiance d'adulte se transformera en armure. C'est envisager ensuite de ne plus montrer tes dents jusqu'à la fin de ton traitement. C'est t'entendre zozoter alors que tu gagnes ta vie en t'exprimant comme du monde. C'est voir le sourire du spécialiste persuadé que tu vas t'adapter vite parce que tu parles trop. C'est anticiper le coma artificiel dans lequel sera plongé ton capital de séduction. C'est imaginer en train de frencher avec une porte de garage dans la bouche. C'est craindre de déchirer un prépuce en débordant d'enthousiasme. C'est essayer de te rappeler que tu ne te résumes pas à tes dents et que tu as d'autres qualités. C'est quitter la clinique en lisant le message d'un hottie sur une application de rencontre. C'est accumuler plus de compliments sur ton physique que jamais auparavant. C'est envoyer de nouvelles photos de tous les styles et dans tous les contextes. C'est être confronté à un silence que tu connais trop bien et lui demander s'il a changé d'idée. C'est recevoir un mot disant qu'il te trouve flabbergastant de beauté, mais que tes dents imparfaites le turn off. C'est hésiter avant entre éclater de rire et te coucher sur le trottoir pour pleurer. C'est faire preuve d'autodérision en lui suggérant de te saluer s'il te croise dans 15 mois. C'est enregistrer dans ta mémoire sa belle face pour ne jamais oublier qu'il t'a écarté pour un si petit détail. C'est prendre des photos de vos conversations pour prouver que c'est une histoire vraie. Depuis bientôt 2 ans, Francine Ruelle a bouleversé des dizaines de milliers de lecteurs à travers le Québec avec son roman « Anna et l'enfant vieillard ». En quelques mots, c'est l'histoire d'une mère qui doit faire le deuil de son enfant qui est encore vivant. Je vous laisse écouter toute la sensibilité qui émane de sa voix quand elle lit un extrait de ce livre. Voici quelques extraits de Anna et l'enfant vieillard qui relate un peu le parcours
les chemins de traverse que mon fils a empruntés toutes ces dernières années et que j'ai suivis pas à pas. J'ai besoin de faire le deuil d'un enfant vivant et je ne sais pas comment faire ça. C'est ce qu'Anna a répondu à la dame assise en face d'elle quand celle-ci lui a demandé pourquoi elle venait consulter. Un enfant qui vient de mourir et qu'on doit laisser partir, à qui on doit faire des adieux définitifs. Le corps qu'on doit mettre en terre ou envoyer à l'incinération pour repartir ensuite avec ses souvenirs et son immense chagrin à jamais tatoué sur le cœur. Ça, elle pouvait arriver à l'imaginer, même si ça lui semblait être la chose la plus difficile à accomplir pour un parent. Mais quitter un enfant vivant, même si c'est pour son bien, comment arrive-t-on à faire ça? Anna tient une photo. On y voit Arnaud, la tête pleine de boucles souples, renversée vers l'arrière, abandonnée. Le petit rit à gorge déployée, comme ça, pour rien, parce que la vie est simple et belle. Parce que quelqu'un a dit quelque chose de drôle, parce que le chat a fait une cabriole, parce qu'un gros pet sonore vient de s'échapper de lui, parce que ses yeux brillent de mille feux. Il a 2 ans. Il respire le bonheur. Et Anna rit, elle aussi. On est maintenant à des années-lumière de cette image de ravissement. Elle ne sait pas si, un jour, le rire reviendra teinté dans sa gorge. Un deuil à faire, à ajouter à tous les autres, déjà fait. Une autre photo, un autre deuil, où il tient une grenouille dans le creux de sa main, son trésor. Il a 5 ans. Il l'avait surnommé Déligne. Allez savoir pourquoi. Déligne a disparu un jour, et lui aussi. Anna le sait maintenant. Son fils est lent. Lent à réagir, lent à agir. Il a toujours fait les choses à sa manière, à son rythme. Il aime bien s'entortiller sur lui-même, ne pas bouger, dormir. Dormir béatement jusqu'à avoir un peu de salive au coin de la bouche. Elle se souvient de ce bord de mer où elle l'amenait en vacances lorsqu'il était enfant. Un petit ami l'accompagnait quelquefois, ce qui laissait un peu de temps à Anna pour lire tout en jetant des regards aux flots qui construisaient des châteaux de sable. Cette fois-là, il a 3 ans. Il ne porte pas de maillot. Ses fesses sont remplies de sable. Ils sont seuls sur la plage désertée par les autres familles qui louent des maisons aux alentours. Elle a délaissé sa lecture pour mieux observer son manège. Il se tient assez loin des vagues. Il marche le long de l'eau. Il fait quelques pas, s'accroupit, observe scrupuleusement le sable. Il prend quelque chose dans ses mains. Se redresse, fait à nouveau quelques pas et poursuit patiemment le rituel qu'il a commencé depuis un bon moment. Anna s'approche de lui, intriguée. Elle découvre alors qu'il transporte dans ses mains un minuscule escargot. « Il a un long chemin à faire. Si je l'aide, il va être moins fatigué. » Anna ne peut s'en empêcher. « Comment tu sais que c'est par là qu'il s'en va ?» lui demande-t-elle en indiquant la direction que prend leur marche. Le regard qu'il lui lance, un regard appuyé que toutes les mamans du monde reconnaissent. Des yeux perçants qui crient haut et fort leur incompréhension des choses de la vie, leur incompétence devant les gestes de leurs propres enfants. « Je le sais que c'est par là qu'il s'en va !» c'était dit avec assurance et détermination. Il n'y avait pas de doute possible. Elle l'a suivi à distance, en silence. Son fils a poursuivi le sauvetage de l'escargot ce jour-là. Aujourd'hui, Anna pense que c'est lui maintenant l'escargot. Il transporte tout son univers dans son sac à dos. Y a-t-il quelqu'un qui l'accompagne dans sa longue route, qui facilite son parcours? Est-ce qu'il sait seulement s'il prend la bonne direction?
Anna ferme le téléviseur sur le météorologue qui semblait s'adresser directement à elle. « Cette nuit, il fera 40 sous zéro avec le facteur vent. Couvrez-vous bien », a-t-il ajouté. Elle se rend dans sa chambre, enfile son pyjama. Elle se recroqueville dans son lit. Elle remonte ses genoux sur sa poitrine, enroule ses bras autour de son corps pour freiner les frissons. Ses dents claquent dans sa bouche, malgré l'énorme couette qui la recouvre. Elle pense à lui, quelque part dans la ville noire et glacée. Elle ne fermera pas l'œil de la nuit. Elle a en elle des sanglots empilés les uns sur les autres, qui ne s'écoulent qu'au compte-gouttes. Pourtant, tout avait été bien pensé, orchestré depuis le premier jour. Le tout se joue avant 6 ans était adéquat, prometteur. Il avait été allaité, vacciné, débarbouillé, nourri, comme il se doit. Il y avait eu des berceuses et des risettes, des contes et des chansons, des comptines aussi, des chatouilles et des rires, de grands bains pour s'amuser, des câlins pour tout et surtout pour rien, des chats, un lapin, des copains, des tonnes de questions auxquelles il fallait impérativement répondre, des balades en forêt, des visites aux zoos, un tricycle, des vélos, des trottinettes, des maisons joyeuses, des couleurs vives, des rires d'enfants, des jeux d'adresse, des puzzles, des découvertes, des parties pyjama, des chambres sans dessus-dessous, des batailles d'oreillers, de quoi dessiner, peindre, construire, inventer, des cartes de fête des mères surprenantes, des colliers de macaronis fabriqués avec amour, avec l'obligation impérative de les porter, même si la peinture dépeint sur la peau. Des cours de natation, de ski, des camps de jour, des camps de soccer, des garderies, des écoles alternatives, des gardiens et des gardiennes allumées et inspirées. Il y avait eu également des otites à répétition, une méningite virale, une morsure de chien et quelques cauchemars. Des nuits blanches, quelques jours sombres, mais aussi des samedis à cuisiner, des dimanches à flâner, des soirées à imaginer, des nuits à rêver, des grands-parents, des tantes et des oncles, des cousins, beaucoup d'amis, des gentils papas de passage, une belle maman, un demi-frère, une demi-sœur et un gros chien, des parents aimants, présents, et puis une grande bibliothèque, toujours accessible, un jardin pour s'épivarder seul ou avec les copains, des bords de mer, des parties de pêche, du camping, de la musique, des adultes en visite, des grosses bouffes, des grandes fêtes, des échéances, de la musique, des adultes en visite, de la musique, des adultes en visite, des grosses bouffes, des grandes fêtes, des échanges, des gens... De la musique, des adultes en visite, des grosses bouffes, des grandes fêtes, des échanges, des gens d'autres cultures, d'autres origines, d'autres orientations sexuelles, des bougies à souffler, des présents sous l'arbre, des surprises en passant, des visites de la fée des dents, des igloos et des bonhommes de neige, des châteaux de sable, des bêtises, des centaines de béquets-bobos, des milliers de « je t'aime », des encouragements à répétition, des voyages à Paris, en Tunisie, au bord de la mer, de l'amour, de la tendresse. Et puis, il y avait eu l'accident. La psychologue qu'elle a longtemps consultée le lui a dit « Vous pouvez vous éloigner, vous pouvez couper les ponts, fermer le robinet, tentez d'oublier que vous avez un fils, vous ne pourrez jamais anéantir cette douleur. Elle sera toujours en vous. Certains jours, elle s'atténuera légèrement, mais elle restera tapie au fond de vous, quoi que vous fassiez. » Anna pense que le jour où elle sera devant le corps de son fils, pas ce corps de maintenant qui l'abîme au jour le jour, mais celui dont toute vie aura disparu, ce jour-là seulement, elle pourra commencer à faire son deuil. Elle le prendra dans ses bras, le bercera une dernière fois, tentera de reconnaître dans les traits du vieillard l'enfant qu'elle a chéri, tellement aimé. Elle pourra alors faire ses adieux.
et le laisser partir. Elle n'aura plus à craindre pour lui. Il n'aura plus jamais froid, plus jamais peur, plus jamais faim. Il ne sera plus inquiet de quoi que ce soit. Il ne sera plus jamais en manque. Il ne sera plus jamais perdu dans la brume. Il ne sera plus point. Il sera enterré près de son père ou encore incinéré, et son urne sera hébergée dans une petite case pour l'éternité. Ce jour-là, Anna ressentira un peu de paix. Elle saura enfin où il loge. À l'hiver 2020, 2 mois avant la pandémie, le Cabaret des mots a fait une tournée dans 6 villes de l'Abitibi-Témiscamingue et Andréane Brunet a été un coup de cœur pour plusieurs spectateurs. Non seulement parce qu'elle a une manière toute spéciale de manier la plume, mais aussi parce qu'elle a une façon unique d'habiter chacun de ses mots. La voici à nouveau dans un court extrait inédit. Le texte que je m'apprête à vous partager s'appelle « Questions pour grand-mère ». Mise en contexte, c'est tout simplement une jeune maman qui s'adresse à son bébé. Je pense souvent à ta grand-mère. Tes iris sont la même couleur que les siens. Va-t-il conserver ce bleu outre-mer? Encore trop tôt pour le dire, mais pour le moment, je me plais à croire que tu as ses yeux. J'ai des milliards de questions pour elle. À commencer par, comment on fait pour avoir un moment de répit quand la peur de briser un nouveau-né nous terrasse depuis la sortie de l'hôpital? Je ne vois pas le bout de mon angoisse. Quand tu commenceras à marcher, il y aura plein d'obstacles potentiellement mortels sur ton chemin. Notre appartement n'est pas baby-proof. Et je dois trouver une nouvelle maison pour mes cactus. Quand tu te feras des amis, tu voudras aller jouer au parc avec eux. Mais le parc, il est à 1000 coins de rue, des rues que tu dois traverser. Avec des automobilistes, ivres ou intoxiqués, qui surgissent sans prévenir. Puis quand tu quitteras la maison pour étudier loin de nous, j'aurai constamment peur que tu sombres dans l'enfer des drogues dures ou que t'attrapes la chlamydia. Cibole. Y a-t-il moyen que tu reviennes dans mon utérus, le seul endroit où je peux vraiment te protéger de tout? Je voudrais aussi demander à ta grand-mère pourquoi elle a décidé de ne faire qu'un enfant. Est-ce que j'ai été un bébé si exécrable qu'elle n'a pas voulu répéter l'expérience? Est-ce que la maternité a été comme un coup de pelle dans sa face plutôt qu'un coup de doux au cœur? J'aimerais lui parler de ces moments où je tilte pour un détail, pour une couche qui a débordé ou pour la sauce séchée depuis des heures dans les bols qu'il faut gratter alors qu'un simple rinçage aurait épargné mes ongles et mon calme. Des petits riens qui font résonner le tonnerre dans ma tête et qui s'expriment par des gestes trop brusques de ma part. Par des caresses avortées parce que je n'ai plus de jus à te donner. Je voudrais lui demander si le placenta est expulsé en amenant avec lui un pan de notre patience, si son retrait laisse de la place pour que le moins beau, celui qu'on appelle angoisse, doute, colère et regret, que le moins beau prenne de l'expansion, dans la tête surtout. Je voudrais que ta grand-mère me rassure sur l'ombre qui plane parfois derrière mes yeux. Mes yeux, qui ne sont pas bleus comme les tiens, comme les siens. Je voudrais demander à ta grand-mère s'il y a moyen de la ramener à la vie, car j'ai besoin de ma maman, moi aussi. Quand on parle de pandémie ou de lutte pour protéger l'environnement, c'est facile de se décourager, mais il y a toujours des esprits résilients qui sont là pour nous rappeler que tout est possible. Laure Varidel fait partie de ceux qui nous éclairent pour qu'on voit les solutions qui se pointent devant nous. Agir contribue au bonheur. L'engagement citoyen a aussi le grand avantage de contribuer au bonheur. On ne le dit pas suffisamment, mais se sentir utile fait du bien. Ce constat n'est pas nouveau et de nombreuses études l'ont démontré. Quel que soit l'âge, le statut économique ou le genre, la participation sociale influence positivement notre niveau de satisfaction dans la vie.
que l'on s'implique au sein d'un comité de citoyens, d'une organisation environnementale, d'une association sportive, d'une coopérative, d'un syndicat, d'un parti politique, d'une fondation ou en tant que parent dans une école ou qu'étudiant dans un mouvement, c'est chaque fois l'occasion de créer des liens et de cultiver un sentiment d'appartenance qui favorise l'épanouissement. L'engagement citoyen amène aussi une meilleure intégration sociale et contribue à prévenir la dépression. Rien de moins. Agir pour l'environnement et une plus grande justice sociale est donc profitable aux individus et pas seulement au bien commun. J'ai pu l'observer sur le terrain depuis plus de 30 ans. J'ai vu de nombreux yeux brillants, même si parfois certains étaient fatigués. Ce n'est pas toujours facile de participer au changement et d'être à contre-courant. Mais sentir que l'on fait partie d'un idéal qui nous dépasse donne un sens à la vie. Ce bien-être, j'ai même pu le mesurer en collaborant avec Pierre Côté, fondateur de l'Indice relatif du bonheur, lors de la collecte d'informations auprès d'individus au cours de mes recherches doctorales. Les données empiriques que nous avons recueillies et analysées nous ont permis de réaliser que plus les gens se préoccupent des impacts sociaux et environnementaux de leurs décisions, plus ils s'engagent comme citoyens et s'impliquent socialement, plus le bonheur ressenti par ces personnes est élevé. Comme on a pu le lire, le modèle matérialiste ne parvient pas à répondre aux aspirations humaines les plus profondes. Trop souvent, on confond argent et richesse, moyens et fins, de même que coûts et investissements. On oublie que l'économie est une construction sociale qui se transforme à forme. On oublie que l'économie est une construction sociale qui se transforme à force de décisions que nous prenons individuellement et collectivement. Nous avons besoin de nouvelles façons de penser qui mèneront à de nouvelles manières de choisir et d'agir. L'humanité est à la croisée des possibles. On ne peut plus se contenter de grandes déclarations sans qu'elles mènent véritablement à des transformations concrètes d'un système qui a institutionnalisé la cupidité. On doit changer les règles du jeu afin qu'il ne soit plus possible de faire de l'argent en détruisant l'environnement et en exploitant la vulnérabilité des gens. Protéger la vie sur Terre telle qu'on la connaît passe par des changements systémiques qui mettent l'économie au service du bien commun. Le saccage a déjà trop duré. C'est Louise Desjardins a longtemps été connue pour sa poésie. Son premier roman témoignage, La Love, fait partie des œuvres qui ont élargi sa palette. Pour sa dernière intervention dans le cabaret, elle nous en donne un aperçu. Certains jours, le gaz de la mine envahit le ciel de Noranda et nous fait tousser. Une odeur âcre nous arrive dans le nez et nous donne envie de vomir. À Rouen, c'est pire, disent les gens de Noranda. Toujours pire, parce qu'il y a des hôtels, de la débauche et du péché. Pour s'y rendre, rien de plus facile. Il faut longer le lac Osisko, en face de l'hôpital, tourner à gauche et s'engager sur la Main. La vie se met à vivre dans le rouge des néons et dans le sous-sol de l'hôtel Radio, au Radio Grill. À Noranda, c'est plate à mort. Je vais souvent prendre un coke au Radio Grill, un des quatre restaurants chinois de la ville. Ma mère ne veut pas que j'y aille après l'école parce que c'est commun, dit-elle. Des après-midi d'extravagance, quand me prend un goût d'interdit, je m'offre une patate sauce en lorgnant les plats de poulet aux amandes que mangent des adultes un peu sous, bien assis sur leur banquette vert émeraude capitonnée. Ils se dégrisent un peu avant de retourner dans le lounge, juste à côté. Je mets des 10 cents dans le sélecteur de table du jukebox et je fais jouer la même chanson toujours, « Love Me Tender ». Des filles plus âgées que moi parlent haut et fort dans ce restaurant. Sandra Dubreuil, entre autres, raconte en détail ses expériences amoureuses avec un sans-gêne qui m'attire beaucoup. Ses discours sur les French Kiss et les 69 m'intéressent bien plus que les sermons du curé et constitue pour moi la représentation ultime de la luxure. Je cherche à savoir. Ma mère passe son temps à dire que l'amour est la chose la plus importante dans la vie.
Pour moi, l'amour, c'est comme l'amour du bon Dieu, l'amour de ses parents, l'amour de son prochain, quelque chose qui se passe au ciel entre les anges. Par contre, quand on regarde des revues d'acteurs et qu'on voit un homme et une femme qui s'embrassent, mes frères et moi, on appelle ça de la love. Une chose mystérieuse qui se passe entre un homme et une femme et qui a un rapport avec un des 7 péchés capitaux, la luxure, ou avec un des 10 commandements, l'œuvre de chair en mariage seulement. Le troisième livre que j'ai publié ce printemps s'appelle « Combattre la nuit, une étoile à la fois ». C'est un roman poétique sur mon adolescence et mon enfance dans lequel je parle de ma relation extrêmement difficile avec mon frère, d'intimidation à l'école, de mes peurs d'enfance et de mon absence totale de confiance en moi jusqu'à ce que une forme de résilience et de lumière prenne le dessus. Je vous en lis un tout petit extrait de Rien du tout. Dans l'album photo de mon enfance, après 3 pages de moi bébé tout nu, on tombe sur la première image de lui et moi. À l'époque, nos sourires avaient le pouvoir de réanimer les morts de tous les champs de bataille de l'histoire. Depuis, quand j'en parle à mes parents, je leur dis « c'est la photo de quand on s'aimait ». Les relations, c'est comme les photos. Ça jaunit en vieillissant. On termine le cabaret avec quelques lignes de Laure Varidel qui nous encourage à garder le cap sur tout ce qui nous attend. Voici donc son troisième et dernier extrait. Prescription d'une éco-sociologue. Émile Durkheim, l'un des pères de la sociologie moderne, disait que les sociologues devraient agir comme des médecins à l'échelle de la société face aux problèmes qu'ils étudient. Si j'avais une prescription à faire en tant qu'éco-sociologue pour activer le système immunitaire de la Terre, j'écrirais sur l'ordonnance « Créer et renforcer les liens entre les humains, la société et les écosystèmes ». Je pense aux liens affectifs, évidemment, à l'amour grâce auquel on se sent responsable les uns des autres et tout devient possible. Mais pour aimer, il faut d'abord se connaître et ce qui nous engage à nous ouvrir les uns aux autres au-delà de nos différences. Sans cela, aucune solidarité et coopération n'est possible. Nous devons briser les silos en misant sur les forces de chacun, mais aussi élargir notre solidarité au monde vivant duquel nous sommes dépendants. Renforcer les liens, c'est aussi arrêter d'opposer l'individuel et le collectif, le privé et le public, la raison et l'émotion, la liberté et la responsabilité, le court terme et le long terme, l'environnemental et l'économique. C'est s'ouvrir à la complexité. On réalise alors que tout est lié parce que nous sommes l'air que l'on respire, l'eau que l'on boit et les sols qui nous nourrissent, mais aussi les relations sociales qui nous fabriquent. Depuis toujours et pour toujours, on ne le répétera jamais assez. Ces liens de solidarité sont notre plus grand pouvoir d'action pour transformer la société, mais aussi pour réduire notre vulnérabilité face aux dangers que l'on ne parviendra pas à éviter. Les sociétés les plus solidaires sont les plus résilientes. Au Québec, il arrive fréquemment que l'on s'entende dire « le monde est petit » en réalisant que l'on connaît les mêmes personnes au sein de cercles pourtant très différents. Il y a en effet peu de degrés de séparation entre chacun. Par quelques personnes interposées, il est possible d'atteindre par un lien personnel un individu en prison autant qu'un grand dirigeant politique ou économique, tout comme n'importe quel artiste, juriste, employé d'usine, scientifique ou autre. Comme les pays scandinaves, nous avons une petite population partageant une langue, une culture commune et disposant de leviers collectifs sur un territoire bien délimité. Lorsqu'une bonne idée circule et qu'on en fait un projet de société, il est possible d'opérer de grands changements rapidement, comme nous l'avons vu lors de la Révolution tranquille. Nous sommes tricotés serrés tout en ayant de la place pour intégrer de nouveaux arrivants. Nous avons le cœur et la rigueur nécessaires pour assumer nos responsabilités à l'égard des autres humains de la Terre,
de nos enfants et de tous ceux et celles qui suivront. Le temps est venu de faire de la transition un projet de société qui inscrira le Québec dans l'avenir du monde plutôt que dans sa destruction. Nous pouvons nous inspirer des bernaches qui se déplacent en V lors de leur vol migratoire pour profiter du tire-d'aile les unes des autres. Leur destination est claire et elles savent coopérer. À tour de rôle, elles prennent les devants, tirant les autres derrière elles, comme chacun de nous sommes appelés à le faire pour la transition. Parce que c'est aujourd'hui qu'on choisit ce que sera demain. Voilà, c'est déjà la fin. Si vous avez apprécié l'expérience du Cabaret des mots, je vous invite à suivre la page Facebook Cabaret des mots de l'Abitibi-Témiscamingue pour être au courant des prochaines éditions en personne, on l'espère, probablement à l'automne 2021. Bien sûr, je tiens à remercier tout spécialement l'équipe du Salon du livre de l'Abitibi-Témiscamingue qui a orchestré cette édition spéciale, les autrices Francine Ruel, Laure Varidel, Louise Desjardins et Andréane Brunet, et bien sûr l'équipe d'Adama Productions qui a fait le montage et l'enrobage et la production de ce que vous venez de voir. Et moi, je m'appelle Samuel Larochelle, je vous dis à la prochaine.